Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis retournée dans ce cadre là parce qu'en fait dans la pièce où est le cadre que vous aviez élu, mes parents ont eu le projet de faire un dressing, donc il y a aujourd'hui des cartons etc, et puis après ce sera plus possible pour moi de tourner dans ce cadre là. Je suis désolée si c'est celui que vous préfériez, mais celui là est arrivé en deuxième position, donc voilà. Cette vidéo sera un genre de getting ready with me, c'est-à-dire que je vais vous parler de mon contexte de lecture, où est-ce que j'aime bien lire, avec quel environnement, comment, je sais pas comment, trop comment vous expliquer. N'hésitez pas à reprendre ce genre de vidéo si ça vous a plu et si vous faites partie de BookTube, ça me plairait vraiment. Généralement, quand je lis, je mets des tenues décontractées, c'est très souvent mon pyjama avec des chaussettes moumoutes. En tant que grande buveuse de thé, j'ai la fâcheuse habitude d'en boire à chaque fois que je lis. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier rendez-vous favori, mon thé préféré du moment, c'est le Earl Grey de chez Twinings. J'aime généralement, avec mon thé, manger des petites gourmandises comme des carac d'or ou des Daily Shock ou des barres aux céréales à la pomme ou bien des Belvita petit déjeuner. Durant ma lecture, j'aime bien écouter des musiques qui sont sans paroles. Malheureusement, quand il y en a, j'ai du mal à me concentrer. Pour faire une petite ambiance et une petite odeur, j'aime bien allumer une ou deux bougies. Là, c'est celle que je vous ai présentée dans mon dernier rendez-vous des favoris et c'est la Pure Gardenia de chez Zara Home dans un pot Ikea que tout le monde a. Encore une fois, quand je lis, je préfère garder mon ordinateur ou mon portable loin de moi pour pas me déconcentrer et pour bien sûr me consacrer pleinement à ma lecture. Cependant, j'adore m'entourer de la famille, de tous mes doudous. Le plaid qu'il y a en dessous, j'adore me le passer sur les épaules pour me tenir un petit peu chaud. Donc voilà, en hiver, je ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire à une grand-mère qui lit dans son lit avec son thé, son plaid. C'est rien de très original, mais ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!